suis en train de jouer avec un cadran de montre qui n'est pas encore émaillé. Donc on a que la partie squelette avec les ajours. Et mon but, c'est de mettre la couleur, de faire en sorte que le verre va adhérer aux cloisons et que le tout va se tenir en fait comme un vitrail. Alors on est parti d'un dessin d'un designer de la maison Cartier. On était à la base dans quelque chose de très sombre, de très noir, donc des couleurs qui ne portaient pas du tout. Alors il a été décidé de partir d'un ours brun, d'arriver à un ours polaire, comme ça on pouvait jouer avec tout ce qui était neige, avec un univers un peu de glace. Donc les couleurs ont été entièrement repensées pour que le plicage jour ressorte au mieux. Je vais utiliser pour un dégradé deux couleurs. Je vais mélanger la couleur A avec la couleur B. Et si je ne broie pas assez finement, eh bien on va sentir chaque grain à l'œil nu. Là, on peut vérifier le broyage des émaux, soit visuellement, en fait. Là, je sais que c'est beaucoup trop gros. Et aussi au son. Plus on va devenir grave, plus l'émail sera broyé finement. Et puis ça, ma foi, voilà, c'est à l'oreille qu'on le fait. Le défi principal, c'était de partir sur un pic à jour, mais qui finalement allait être obstrué. Le volume est entièrement donné par des jeux de dégradés, par l'utilisation d'émaux semi-opaques, mais qui vont permettre de faire ressortir l'ours par rapport au fond. Alors entre le moment où je broie les émaux et puis le moment où j'ai fini le cadran, il y aura de nombreuses cuissons. J'alterne en fait les phases de pose de la couleur suivant un certain dégradé, en suivant une orientation des dégradés. Et puis après je cuis ces émaux pour qu'ils passent de l'état de broyé à uni. Tout le secret du plique à jour, c'est d'arriver à faire tenir l'émail dans ces cellules sans qu'il y ait de fond. Et ça, c'est un secret que je souhaite encore regarder un petit moment. L'ours n'est pas encore fini parce qu'il ne serait pas complet sans les petites étoiles qui animent le ciel. Alors ça implique une phase de pose de petits paillons d'argent découpés. Et enfin, ces paillons sont recouverts d'une petite couche d'émail afin qu'elles soient emprisonnées entre deux couches de verre et que l'argent ne s'oxyde jamais. Il y a eu 4 propositions préalables jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la cinquième à se mettre d'accord sur le choix de couleur, l'épaisseur de l'émail et puis la position des petites étoiles. Là, on a un produit fini. Tout est équilibré, on sent bien l'ours se détacher du ciel. Ça me fait énormément plaisir de le voir fini, de pouvoir le toucher, ce cadran. Et ce qui sera encore plus plaisant, ça serait un jour de le voir au poignet d'un client.